Alors, ces initiations sur lesquelles je travaille, c'est d'abord un trésor. Hein, je dis toujours à Godelier, un jour on aura oublié que tu étais marxiste, un jour on aura oublié que tu étais directeur du CNRS, mais les films que tu as fait avec Yann Dunlop, ils sont là pour toujours. Et je dis toujours à mes collègues qui travaillent sur le rituel et tout, combien donnerait un helléniste pour avoir 15 secondes de film à Sparte sur l'initiation des garçons? Bon, nous, on n'a pas 15 secondes, on a 23 heures. C'est phénoménal. Alors, bon, c'est un travail d'historien, hein, puisque moi, ce que j'ai vu, c'est en 79. Ça a beaucoup changé, probablement, vu que ça s'est réduit en temps et durée. C'était déjà une transformation par rapport aux initiations anciennes, puisqu'il n'y avait plus de pratiques d'homosexualité ritualisées. Donc ça fait une différence de taille. C'est un boulot d'historien, mais coup de peau, j'y étais, donc je m'en souviens un peu. J'ai mes photos, j'ai les films de Dunlop, donc 16 heures et quelques n'ont montré, dont 14 rien que sur du rituel. Le reste, c'est des interviews des femmes, des choses comme ça. Jean-Luc Laurie a fait une heure de film, dont j'ai une version noir et blanc, qui me permet de voir des détails que Dunlop n'avait pas filmé. Il y a le volume qui va avec les films qui s'appelle Towards Bury a Manhood. Non, je recommence. Baruyamuka Archival, où tout est traduit, tout est dit, tout est fait. J'ai l'original de salle de montage, où c'est d'ailleurs quasiment exactement la même chose. J'ai les 2, 3, 4e stade, si je veux faire des liens entre les uns et les autres, y compris la traduction qui a été faite en 1974 pendant un mois à Port Moresby, que personne n'a jamais utilisé. Et j'ai les interviews restricted du grand chaman Yuen Danna ou du maître des rituels Shuanandaye. J'ai Kumainu réexpliquant des trucs à Sydney à l'époque, à Yann Dunlop en 1992. Puis j'ai tout mon travail avec Kumainu Nwigwe Kandavache au cours des années. Et puis j'ai permanence à la tête la comparaison avec les 9 heures de film que j'ai vu, de ce que j'ai vu avec Pascal en 1994 chez les gens qui avaient. Donc quand je dis chaîne opératoire, c'est que toutes les données possibles, y compris les données douteuses, quand on n'est pas sûr de son coup, qu'il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit là, sur une signification, sur l'utilisation ou non, ou sur l'identification d'une feuille ou n'importe quoi, une plante ou d'un oiseau. 2 jours, j'ai fait les oiseaux, très bien. Bon. Et c'est toutes ces informations-là qui sont que j'ai en déroulement comme une chaîne opératoire, avec des objets qui sont des résonateurs périssologiques comme ceux qu'il y avait dans ce bouquin, dans Mundane Object. Donc j'ai repris ce que j'avais écrit sur ces collimateniers, sauf que les collimateniers, ils sont aussi une condensation de symboles, mais ce qui compte à mes yeux, c'est la condensation. Et j'ai 3 ou 4 objectifs en faisant ce travail. Le premier, c'est de dire qu'est-ce qui se passe pendant la Mouka. Alors, on a les interprétations de Godelier, on a l'interprétation de Marilyn Strasser, mais si vous retirez le sperme, ça pose quand même un problème, puisque les gens continuent à faire la même chose sans les pratiques homosexuelles ritualisées. On ne doit pas dire comme ça, on doit dire Boys Inseminating Practices, mais enfin, bon, c'est pas, ça ne dérangera personne, puisque ce n'est pas un comportement. Enfin, Hert a écrit 3 bouquins pour expliquer quel type de relation c'était entre les hommes. Voilà, c'est pour ça. Donc, pour Pascal Bonnemère, c'est une transformation des relations d'un garçon au cours de tout le cycle. Pour Maurice Godelier, c'est une reproduction de la hiérarchie entre les hommes et de la hiérarchie entre les hommes et les femmes, et une reproduction de la fabrication des guerriers.
Pour ma collègue Sandra Bamford, ce n'est certainement pas une fabrication de guerriers, vu que les initiations existent toujours quand les gens font plus la guerre. Sauf qu'il suffit d'aller dans la forêt et on verra que la première phrase c'est « Maintenant que tu as vu ça, est-ce que tu vas te barrer quand les ennemis arriveront ?» Donc, je suis confus, c'est l'ethnographie, trois fois de suite, j'y suis allé, j'ai les encavés, trois fois de suite, les gens ont dit ça, donc ça a quand même un rapport. Marine Strasser avait expliqué dans « Gender of the Gift », les initiations des Hangans ne sont certainement pas là pour faire des guerriers, le seul problème c'est ce que les gens disent, donc il faut quand même un peu faire avec. Faire des guerriers. Il y a une autre interprétation de Bamford, c'est le decontainment de la mère et de l'enfant, tout ça est très bien. Puis moi, je vais ajouter je sais pas quoi. Tout le monde a raison. C'est ça qui est chouette. Comment le rituel peut-il faire. Et puis les Barouillas, ils ont leur avis aussi. Ça fait des guerriers, ça fait des solidaires, ça nous nettoie des femmes, ça nettoie des femmes comme si, on tourne autour du feu, on va transpirer, toutes les saletés des femmes vont partir, et les sambias, et on va vous passer des orties sur les poils de la main, les poils du corps, le duvet de la naissance va s'en aller, et tout ça, c'est. Tout le monde a raison. Il n'y a rien de contradictoire en plus. Comment le rituel fait-il tout ça. Donc ça, c'est mon premier point, c'est qu'est-ce qui se passe pendant la mouka. Ça fait un. La deuxième grande question, c'est quid de la matérialité. Que font les gestes, les objets, les déambulations dans la transformation telle qu'elle est pensée par les Angas eux-mêmes et telle qu'elle est pensée par les anthropologues, que les Mossols ne pourraient pas faire. Et Dieu sait que les Mossols ne peuvent pas le faire. 71 étapes. 71 étapes sur plus de 15 jours. Donc s'il s'agissait simplement de claquer les doigts en disant « merci soleil ça c'est le deuxième point. Et à quel moment intervient, quel type de matérialité, notamment ces histoires de, qu'ils soient périssologiques ou pas, c'est pas la question, mais ces histoires de résonateurs-condensateurs. Condensation au sens Haussmann-Sévry standard, à savoir, parce que des gens qui disent « j'ai vu des rituels, j'ai jamais vu de réalité relationnelle contradictoire mise en présence », bon là c'est des modalités relationnelles contradictoires, on vous tue mais vous restez en vie, on vous fait renaître mais justement on nie les pouvoirs féminins, et puis cette construction formidable qui est, voilà, il vous arrive en vous des pratiques et des expériences d'égalité, de gens égalitaires, et en même temps on est en train de vous différencier avec tout un instrument à base de. C'est formidable, hein, les antennes et tout, le bordel, c'est absolument magnifique. Bon, très bien. Que fait la matérialité que les Mossols ne peuvent pas faire. Et moi, jusqu'à nouvel ordre, je montre que la matérialité, celle que j'appelle vraie, avant d'être symbolique et de signifier, fait des choses. Crucial. Bon, c'est mon hypothèse. Ça, c'est le deuxième point. La troisième question, qui est terrible, c'est que bien évidemment, il y a une transformation structurale quelque part. Je faisais allusion au structuralisme en disant le rituel est comme un mythe qui résout un problème par approximation, par rapprochement dans divers registres. De surcroît, on les a, les divers registres. Hein. On les a, les divers registres, ça c'est sûr. Dans divers registres, et avec un jeu sur les distances. Bon, jusqu'au moment où on dira que je me suis trompé, mais pour l'instant, ça colle bien. Ça, c'est une chose. Mais les différents groupes Angas, les Barouillas, les Encavés, on connaît, les Sambias, les Barouillas, c'est quasiment la même chose, les Wachakès, j'ai enquêté chez eux, les Ikoyés, Mimika écrira peut-être un jour quelque chose dessus, et les Kapao, j'ai vaguement enquêté sur eux, et les Meuniers, on a parfois une page dans un patrol report, et tu dis, oh là là, l'enceinte, les échelles, les rombes et tout ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste 12, il en restait 13 du temps où, au début des années 70, il y avait 13 groupes linguistiques en gars, il n'en reste plus que 12. J'ai cherché les, je ne sais plus si c'est les Kawacha ou les Kamacha, mais je ne les ai jamais trouvés. Et les Ampalais, j'ai vu le dernier locuteur Ampalais qui était fou, mais qui était devenu complètement dingue, il voulait tuer tout le monde. C'était le dernier de sa sous-culture en gars, il n'était pas vraiment bien. Ce que je veux dire, c'est que. Il y en a peut-être eu 50 des façons de faire des initiations, mais la trame est la même. La trame est la même. On a la chance d'en avoir 3 ou 4 bien costauds. On sait où sont les oppositions, hein, entre le sperme et le sang, quand même, c'est assez costaud. On sait, aux Renaissance, au bout de plusieurs années, en passant sous un rocher, dans un torrent, ou Renaissance, au bout d'un an et demi, en passant dans un tunnel, ou sortir duquel. Comment tu sais que c'est une Renaissance poussée par mon oncle maternel. Non, il y a une chambre close. Il y a un corridor. J'ai été réchauffé avant. Passé dans un corridor. Je suis battu.
je saigne en même temps que mon oncle maternel, et quand j'arrive au bout, on m'explose la tête avec du pandanus rouge. À part ça, ce n'est pas une renaissance. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que chez les Barouillas, il y a la même chose, sans le pandanus rouge. Et là, on leur dit, oh, ben oui, c'est le plus gagné des moustiques, parce que quand même, la nuit, quand il y a des moustiques, il faut penser à faire du feu. Moi, j'appelle ça un signifiant zéro. C'est le même, le dispositif, qui est entouré de, avant ou après, de trucs qui sont les mêmes. Tambouriner au pied d'un grand arbre, construire une plateforme, c'est non seulement c'est en gamme, mais c'est pareil. Et parfois avec une signification zéro. Par exemple, chez les encavés, les cordylines rouges, le pandanus rouge et les cordylines rouges. Les cordylines rouges sont partout pendant les initiations masculines. Les cordylines rouges ont poussé probablement Pascal l'a dit, ont poussé dans le sang du premier homme. Premier homme de l'humanité, il a distribué toutes les sous-cultures Anga. Vous appellerez les comme ça, vous parlerez comme ça, vous mettrez des décorations corporelles comme ci. Et à la fin, on lui a dit, et toi t'es qui? Il n'a pas répondu. Donc on l'a tué. Moi, je sais qu'il l'a tué, mais bon, on ne va pas vous le dire. Donc, on l'a tué. Et là où il est mort, son sang a coulé dans le sol, et là où le sang a coulé, les cordylines sont sorties, et le pandanus rouge a poussé. Les cordylines sont des plantes connues comme telles depuis... Le premier, je ne sais plus qui, Audricourt à coup sûr, je ne sais plus quel, celui du milieu. Dans toute la nuit, ce sont des plantes qui se reproduisent par clonage et qui sont incroyablement résistantes. Je veux dire qu'on prend une tige de cordyline sans feuilles qui est sèche comme un manche à balai, on la plante dans le sol et une chance sur deux, elle repart. Autrement dit, c'est pas une métaphore, une fois de plus. Bien sûr, c'est l'affordance. Tout mélanésien sait que les cordylines, ça se reproduit comme ça. Et que cette cordyline-là, c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière petite fille de celle-là. Donc, pour les encavés, cette cordyline qu'on prend dans son jardin, je suis venu chez les encavés exprès, qu'on coupe dans son jardin, qu'on replante temporairement sur les sites rituels pendant les initiations masculines, c'est pas une métaphore de je ne sais quoi. Elle est pleine du sang de l'ancêtre primordial. Elle est fondamentale. Chez les Barouillas, des cordylines rouges, il y en a tout le temps pendant la mouka. On n'en dit rien. Il y a une leçon parmi 60 leçons. Vous devez planter ça, vous devez être gentil avec machin, vous n'avez pas le droit de bouffer ça, vous devez... Hein. Et elle dit, ben, oubliez pas de planter les cordylines, c'est très important. Pas un mot. Signifiant zéro. C'est fabuleux. Et à un moment, dans les initiations en cavé, mais là, il faut avoir l'œil pour le repérer. À un moment, on dit aux gamins, arrêtez-vous, asseyez-vous, prenez des petits segments de cette canne à sucre qui donne du sperme, et sucez-la. Et les gars font une fellation à une canne à sucre. J'en ai vu bouffer de la canne à sucre. C'est une fellation. Sans commentaire, c'est comme ça. Les ancêtres ont dit des comme ça, on ne saura jamais. Les bribes sont là, les briques sont là, les rythèmes, je ne sais pas ce que ça voudrait dire, sont là, et ils sont assemblés de façon différente. Rendre compte de cette transformation structurale, ce serait formidable. On a déjà quelques idées sur le schème global, qui n'est pas le point commun. Hein. C'est les types de relations qui entraînent ces types de structures qu'on a pu repérer à droite à gauche. On n'en a pas beaucoup, mais c'est évident qu'il y a une transformation structurale qui donne une autre homogénéité à cette culture, parce que les voisins, ils ont un truc qui est absolument aucun rapport. Ma foi, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y fait, la transformation structurelle. Alors j'en suis pas encore là, j'ai fini la description. Après, il n'y a plus que la partie théorique, et après, je fais un autre livre sur la transformation structurelle. Et côté initiation, je peux évidemment comparer les Barouillas et les encavés. C'est encore des années de boulot. Et en urgence relative, il se trouve que les Barouillas ont voulu aussi montrer à Godelier ce qu'ils appellent la Kulakita, qui est l'initiation des chamans. Ils sont donc des types qui ont entre 28 et 35 ans. Et qu'ils ont fait en octobre... j'étais ailleurs, moi. En octobre 80. Alors que la Mouka, c'est juin 79. Et la Mouka, c'est Nungwasan. Et de Nungwasan à Uyobo, il faut... moi, il me faut 2h30. Et un Barouilla pressé, il faut 1h15. C'est les mêmes gens. Mais ce n'est pas une initiation de petits garçons, c'est une initiation d'hommes
et de femmes chamanes aussi. Ça vaut de l'or d'aller comparer comment fonctionnent ces deux rituels. Et il y a aussi les initiations féminines que Pascal a eu la chance de filmer, que Maurice et Alison Yablanco ont filmé, observé, tout ça. Donc il faudra aussi comparer regarder les initiations masculines, les initiations féminines dans le même groupe. Parce que chez Zancavé, il n'y a pas d'initiation féminine, ce qui est quand même assez. C'est aussi une des énormes différences entre ces groupes et qui les oppose. Et donc il y a encore du pain sur la planche, y compris pour comprendre, puisque c'est mon sous-thème à moi, petit 1, ce que fait la matérialité, et petit 2, à quel moment ça intervient dans une transformation structurale. Comme quoi on avait raison, il y a 45 ans, de vouloir être à la fois matérialiste, structuraliste et tout ça, mais pas simplement en pensant que le dessin d'une chaîne opératoire allait, comme par hasard, nous rappeler quelque chose dans l'échange des femmes ou la construction des mythes. Ça, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà à peu près tout ce que je peux avoir à dire.